Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous. C'est la première fois que vous venez pour certains d'entre vous? Ouais, combien de nouvelles personnes? Oh, quand même, ok. Donc bienvenue, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier également, formateur en entreprise. Et ce soir, on va faire donc ensemble de la sophrologie. Et le sujet, c'est la gestion des émotions. Donc je pense que ça doit vous parler si vous êtes là. Quelles seraient vos attentes pour vous ce soir par rapport justement à cette gestion des émotions? Vous attendez à repartir avec quoi? Tout ça? Alors, est-ce que quelqu'un a envie de partager un petit peu avec quoi il aimerait repartir ce soir? Où elle aimerait repartir? Avec des outils. Ouais, qui te permettrait de faire quoi? Mieux gérer mes émotions. Il y en aurait une en particulier que tu aimerais savoir mieux gérer? La colère, certainement. Ok, ça marche. J'entendais du stress aussi. Les attaques de panique. Les attaques de panique. Okay. Ça t'arrive souvent? Ça t'arrive souvent? Non. Non? Mais il faut que je fasse attention. Ok, ça marche. D'autres choses? D'autres émotions? Dans quel sens? Peut-être le plus fort en fait, enfin, ne pas forcément pleurer à chaque épreuve. Enfin, je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Ok, c'est gênant pour toi? C'est gênant pour toi d'avoir cette réaction-là? Pourquoi? Elle est située où la gêne? C'est envers toi-même, envers les autres? Un peu des deux. Un peu des deux? D'accord. Il y a une chose qui est intéressante avec le fait de pleurer, c'est que trop souvent on pense que c'est juste parce qu'on est triste ou qu'on ressent de la peine, mais en fait c'est juste un mécanisme pour le cerveau pour lâcher prise. Donc je suis pas sûr qu'il faille t'en débarrasser en fait. Mais bon, on peut essayer de voir comment on peut faire pour pas forcément que ça se produise à chaque fois. Au moins que tu puisses le choisir. Ouais, choisir le moment pour pouvoir le faire. Mais c'est une bonne chose de le faire. Donc s'il y en a parmi vous qui pleurent jamais, c'est le moment de commencer. C'est le moment de commencer à penser à faire ça. Ok. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion si vous le souhaitez, ou vous pourrez à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et à tout de suite.